Marielle travaille comme fleuriste. Elle vient au lycée Jean-Charles Pelletier de Ham pour présenter son métier, sa passion à nous, élèves de 3e prépa métier. Nous avons tous une idée pour nous orienter vers le métier que nous désirons. Mais comment être sûr de notre choix? Comment allier passion et travail? Comment trouver le bon métier? Bonjour. Bonjour Alan. Pouvez-vous vous présenter? Écoute, je m'appelle Marielle, je suis fleuriste à Ham. D'accord. Boutique Annie Fleur, et je suis installée à Ham depuis 32 ans. D'accord. Et en quoi consiste votre métier de fleuriste? Alors, c'est beaucoup de création. On fait des compositions pour tout moment de la vie, en fait. Hein. Les fêtes, les Noëls, la fête des mères, la Saint-Valentin. Après, on fait des choses pour des enterrements. Hein. On accompagne les familles dans leur chagrin. On a besoin de fleurs tout au long de sa vie pour l'embellir. Voilà. Comment donnez-vous envie à vos clients de vous acheter des fleurs? Alors, donner envie, c'est surtout quand ils ont un besoin. Hein, il faut déjà avoir besoin. C'est un produit qui n'est pas nécessaire, hein, qui est juste là pour embellir la vie ou pour témoigner d'émotions quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un. Donc, donner envie, c'est son propre travail. Je pense que c'est les années qui font que les gens sont habitués à voir ce qu'on fait, à nous voir évoluer. Et qu'est-ce qui fait qu'on plaît ou on ne plaît pas? On ne peut pas savoir ça. Moi, dans chaque composition, dans chaque bouquet, je donne un peu de moi, forcément. Si au bout de tant de temps, je suis toujours là, c'est qu'il y a quand même des choses qui plaisent, donc qui continuent de venir. Il y a le bouche à oreille, il y a la publicité, on fait beaucoup avec Insta, avec Facebook, avec TikTok, enfin, on fait des vidéos, on fait des pubs, on exporte notre savoir pour le faire connaître. Et du coup, j'aurais une autre question. Comment vous avez choisi ce métier? C'est quoi dans votre tête qui vous a dit « je vais faire fleuriste » ? Alors, en fait, j'avais quoi, 14, 15 ans. J'étais à l'école, cursus scolaire normal. Et j'avais une amie de ma maman qui était fleuriste. Oui. Et j'allais lui donner un coup de main parce que, voilà, c'est un métier où il faut vraiment... Enfin, il y a des coups de bourre, il y a des moments où on a beaucoup, beaucoup, une grosse, grosse charge de travail. Et j'ai eu une révélation, j'ai adhéré, j'ai trouvé ça génial. J'ai kiffé. C'est beau. Ouais. Et quel caractère il faut pour faire ce métier? Caractère, c'est une bonne question. Être persévérant, il faut avoir une bonne santé. Parce que... Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande de l'énergie, ça demande... Il faut être ambitieux aussi, il faut avoir envie, mais ça, pas que spécialement quand on est indépendant. Je pense que dans la vie, il faut être ambitieux, il faut avoir toujours envie de mieux faire. Faut être rigoureux, faut faire attention, il ne faut rien oublier, et Dieu sait que ça peut arriver. On n'est que des êtres humains, on peut se tromper, on peut faire des bourdes, je veux dire, voilà. Tout après, c'est d'en faire le moins possible et de rattraper quand c'est possible, voilà. Et j'ai entendu que ça faisait 34 ans que vous faites ce métier. Oui, tout à fait. Et ça vous lasse pas? Ah non. C'est quoi qui vous donne envie chaque jour de continuer? En fait, j'ai la chance de faire un métier qui se renouvelle tout le temps. On fait toujours des choses différentes. Et moi, j'adore ce que je fais, j'adore créer, j'adore faire des choses différentes tout le temps. J'adore ça, c'est mon truc. Moi j'adore, je me lève le matin, j'adore imaginer la journée que j'ai passée. Bonjour. Bonjour madame. Je voudrais acheter le bouquet de tulipes blanches. C'est pour une occasion spéciale. Oui. Pour
occasion particulière? C'est pour offrir à mon épouse sans occasion particulière. D'accord. Merci Philippe. Et ensuite? Et je vais vous prendre des roses. Oui. Bon, elles se ressemblent un petit peu. Oui. Je ne sais pas si on peut panacher. Mais on peut. Vous en voulez combien? Mettez-en 7. 7? On y va. C'est vrai? Oui. Oh, 5, 7. C'est vraiment chiffre impair. Alors, ça n'a pas une signification. C'est pas le chiffre qui a une signification particulière. C'est juste que dans un vase, c'est plus joli. En fait, 3 fleurs que 2. Vous voyez, au niveau du regard, c'est plus joli. J'ai une petite, comment on dit, une petite étiquette qui dit « Je t'aime ». Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Il faut faire plaisir. Après, je t'aime. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous régler. Je donne ça de suite, sans problème. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Quel est votre salaire, si vous avez envie de nous le dire, ou si vous voulez pas, c'est votre choix. C'est-à-dire que c'est pas un salaire, puisque je travaille toute seule, machin. Je suis en nom propre. C'est en fonction de les mois ne se ressemblent pas. C'est jamais pareil. Donc c'est pas toujours simple de se tirer vraiment un salaire. C'est plus le faire par passion que pour l'argent. Sinon, on ne choisirait pas ce métier-là. Vous êtes à votre compte, quoi, vous? Ah oui, 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 je suis à mon compte depuis 1988. Mais... Vous n'avez pas d'employé? Non. Non, non, aucun. Un peu de stagiaire de temps en temps, qui donne un coup de main. Pourquoi êtes-vous travailleur indépendant? Alors, par choix. Par choix, parce que, en fait... alors moi, je suis d'une famille de commerçants. Hein. J'ai ma mamie qui était bijoutière, j'ai mon papa qui était garagiste. Donc voilà, à leur compte, ils ont toujours mené leur barque et j'avais envie d'en faire autant, en fait. J'avais envie d'en faire autant. Et que pense votre famille de votre parcours? Ils se disent quoi dans leur tête? Waouh, jolie question. Ma famille, y a eu des moments où ils se disaient « Ah, ah, ah !» T'es en galère, c'est compliqué pour toi, tu faisais des études, machin, t'aurais dû continuer. Mais à chaque fois, j'argumentais en disant, bah oui, mais voilà, moi, mon plaisir, c'est de faire ça. Et même si c'est pas toujours simple, malgré tout, j'ai le plaisir de le faire. Le matin, j'ai le plaisir de me lever pour entamer ma journée. Donc, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? C'est quand même aussi de passer du bon temps au travail et de ne pas collectionner les journées juste pour dire encore une de tirée, quoi. C'est pas mon truc. Moi, je veux faire plaisir, même si c'est pas toujours simple, je reconnais. Alors, mes parents, ma famille, en règle générale, malgré tout, sont assez fiers de mon parcours. Enfin, je pense qu'il y a une petite fierté, je l'espère. Et si par malheur votre boutique venait à prendre feu ou qu'il y aurait un braquage et que vous perdiez tout, ça serait quoi votre plan B? Genre ça serait quoi votre sortie de secours? Alors, tout recommencer, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si j'en aurais la force aujourd'hui. Parce que c'est quand même... Mais quand même, je pense que si. Je crois que j'aurais envie de recommencer, de refaire. Au moment où nous deux, on discute, je rentre le magasin à brûler, je redémarre. Je recommence. Eh ben... Ben ouais. Ouais, ouais, je redémarre. Rien ne fait peur. Voilà, bon, les garçons, je vous ai amené là divers objets que je vais vous
demander de sortir. D'accord. Et si vous ne connaissez pas, si vous... Voilà, je vous attends, vous me posez des questions. Allez-y. Oh, je pense ça. D'accord. Ça, c'est stylé, je trouve. C'est stylé, ouais. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Un rocher. Un rocher. Un pot de fleurs. C'est un contenant pour mettre des... De la mousse. Alors là ça mousse. M'a servi pour la mousse, mais en fait, c'est pas pour mettre de la mousse au départ. C'est pour mettre une plante, la ok mousse. Ou des fleurs coupées si on veut faire une composition. Donc ça, c'est fait... Maison. Avec du ciment. C'est fait par moi. Enfin, c'est fait fleuriste. C'est du ciment, exact. Et donc ça, je l'ai fait moi-même. Ok. Là, je prends ma toile de jute, ok. Voilà, je l'applique. Donc on fait très attention. Voilà. Touche pas. Va pas te brûler. C'est une bille en polystyrène, tout simple. Ça fait une rose. Voilà. Ça fait une rose et quand c'est fini, je mets la rose sur ce sac-là. Avez-vous d'autres passions derrière ce métier ? J'ai honte, mais ouais. J'adore le jeu. Je suis une joueuse. Le jeu de quoi ? Tarot, coinch, rami, tout. Des dés, des machins, je joue à tout. Et pendant que je joue, en fait, voilà. J'évacue tout, je ne pense qu'à ça, à la stratégie, machin. J'adore gagner. J'ai honte, mais ouais. Et vous misez de l'argent ? Je joue, non. Que pour le plaisir. Que pour le challenge et voilà, mais jamais d'argent. Et ça vous est venu d'où de faire ça ? Oh, je crois que c'est mon père. Mon père était un joueur. Hein. Il était un joueur de cartes, un joueur de machin. Et il adorait ça. Donc il m'a donné cette passion-là. La passion du travail bien fait et la passion du jeu. Des jolies passions. Bah ouais, bah, j'adore. Je lui envoie un bisou à mon papa. Voilà, là où il est. C'est gentil. Vous m'avez soumise à un tas de questions, c'est super sympa. Mais qu'est-ce qu'il en est de vous ? Alors toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? J'aimerais travailler dans la chaudronnerie. Et toi, Alan ? Concessionnaire. Pâtissière. Styliste. Mécanicien. Coiffeuse. Alors qu'est-ce que tu aimes dans ce métier ? C'est quoi le kiff ? Travailler le métal et tout. C'est vrai ? Ouais, je trouve que c'est bien. J'aime la pâtisserie. Enfin, c'est un truc qui me plaît depuis tout petit, puis j'en fais à l'extérieur. C'est tout. Enfin, c'est déjà bien. Parce que je suis passionnée depuis toute petite dedans. J'aime être fière que les gens disent que c'est moi qui l'ai fait ou de venir dans ma pâtisserie. Mais j'aime bien la création, j'aime bien créer des choses. J'aime bien le stylisme. Voilà. C'est ça que tu as envie de faire, ouais. Vendre des voitures. Ouais, c'est ok, ça. C'est génial. Alors, en tout cas, honnêtement, j'espère que vous allez avoir une voie royale et que vous allez trouver votre bonheur dans vos futurs métiers. Vraiment. En Merci. Tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur.